Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau petit ressource pack coup de cœur numéro 12. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà posté cette vidéo, mais il y a eu énormément de bugs et voilà, je dois bien vous l'avouer, après 12 épisodes de cette série, cette map est complètement buggée. Donc je rack avec OBS comme je vous l'ai dit. Ouais, n'hésitez pas également à me dire d'autres logiciels. J'ai essayé Dextory mais ça bug vraiment trop. Enfin voilà, j'ai un PC un peu de mort aussi, donc bon, j'espère pouvoir le changer très bientôt aussi. Donc du coup je refais cette vidéo là, je l'avais déjà posté mais ça buguait vraiment trop, donc du coup voilà, je pouvais pas vous poster ça. Je vais éviter d'aller là haut aussi parce que c'est là où je buguais trop. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, le petit cours au pack, voilà, mais juste avant je tenais vite fait à faire une annonce. Donc comme vous voyez, donc je suis en 1.8 mais voilà, j'ai les animations 1.7, voilà, comme je vous l'ai dit, pareil pour la canne à pêche, enfin bref voilà. Donc c'est tout simplement que j'ai le lobby mode. Donc lobby mode, vous aussi voilà, vous pouvez mettre des petits symboles, vous pouvez savoir votre ping, je sais plus exactement comment faire, enfin bref voilà, vous m'avez compris. C'est quelque chose de pas mal. Alors on m'a dit aussi que je pouvais mettre Tungle Print, là, je sais pas quoi, bon je sais pas ce que c'est en vrai, mais voilà, en gros c'est un truc pas mal, rien que pour les animations, je trouve ça mieux. Comme ça c'est pas mal en 1.8, bref. Vous m'avez compris, faites pas chier, hein. Voilà, voilà. Donc du coup, ouais, n'hésitez pas à venir, voilà, s'il y a des gens qui... Enfin, j'ai posté la vidéo, donc en gros 7 minutes, et il y avait une personne qui disait que ça serait mieux que je fasse un tuto. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir si vous voulez que je fasse un tuto sur comment installer la BMW. Bon, c'est super simple, en gros, je vous passe un lien, quoi, et puis voilà, mais bon, n'hésitez pas à venir. Donc du coup voilà, donc le cours au pack, donc du coup là comme d'habitude hein, le lien dans la description et la vidéo originelle du monsieur qui l'a fait, voilà, c'est en anglais, donc du coup voilà, j'ai repris les liens de là. Bref, donc du coup voilà, minerai de redstone, minerai d'or, minerai de émeraude, minerai de diamant, minerai de fer, minerai de diamant que j'apprécie tout particulièrement, voilà, aussi le diamant normal, bref voilà. Et vraiment les épées, donc c'est ce que je préfère donc dans ce pack. Hop, hop et hop, voilà, donc l'épée en bois, voilà, bon désolé aussi hein, s'il y a quelques petits lags là, normalement je t'aurais réglé pour qu'il n'y en ait pas, mais bon, en français jamais hein, avec OBS. Donc voilà, là l'épée en gold, l'épée en stone, l'épée en iron et enfin l'épée en diamant que je trouve juste trop stylé. Voilà voilà, hop, donc ouais, comme d'habitude il y a le low fire et quelque chose que j'aime bien aussi, voilà, c'est l'inventaire, l'interface de l'inventaire, bon il est pas transparent mais comme d'habitude vous pouvez le changer, hop voilà. Donc le saut de lave qui est comme ça, le saut d'eau qui est comme ça, voilà, bon les PA je vous l'ai dit, les particules comme ça, l'arc qui est vraiment assez stylé avec les particules comme ça, donc pour devant quoi, on va juste passer vite fait dehors pour vous faire voir, voilà comme ça. La canne à pêche pareil que je trouve vraiment vraiment très stylé, pas que je dirais qui est plus basé un peu sur Ling et Liang, si je peux dire ça un peu comme ça, surtout au niveau des pommes que je trouve vraiment très stylé. Hop voilà, donc du coup les pommes normales, les pommes en or et les pommes de nature, voilà voilà, pour tout ce qui est de ça quoi. Donc du coup maintenant on va passer au coup critique et armure. Voilà, c'est dans cette zone ça lag, je le ressens moi-même, donc bon, ça me casse bien les couilles, mais bon. Donc du coup voilà, les coups de sharpness plus critique, voilà, donc les coups de critique c'est les mêmes que les voilà, que les tirs normaux. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir. Bref, donc du coup voilà pour ça. Aussi ouais, donc les armures. Hop, ça lag un peu. Ok, c'est bon. Donc l'armure en cuir, l'armure en or, l'armure en maille, l'armure en fer et enfin les armures en diamant que je trouve vraiment super stylé franchement. Donc du coup voilà, ouais aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites confis, vous savez, genre parce qu'en gros si vous voulez j'ai une carte graphique de mort. Voilà, c'est une GTX 760, donc faudrait que je la change, bref, voilà, hein, je sais. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si s'il y a des contrôles ou quoi, enfin je suis déjà en face et tout, vous voyez, chunk, enfin. Genre ils sont bas aussi et ça bug, ça me casse les couilles. Donc du coup voilà, donc pour le soleil, voilà un petit peu le day, bon j'ai changé vite fait les petits trucs. Enfin voilà, bon je vais pas mettre les junk au max parce qu'après ça a bugué.
Mais enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Hop, on va back. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers. Après, il y a ça. Ok, bon, je sais pas pourquoi il y a ça, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire et voilà, proposer vos packs. Vous avez été encore beaucoup à m'en envoyer. C'est de là aussi que je l'ai tiré. Avec le lien original, ouais, mettez-moi bien le lien de la vidéo originale, voilà, pour pas avoir de problème de plagiat ou quoi. Sur YouTube, il y a pas mal de conneries comme ça en ce moment. Donc du coup voilà, en tout cas merci à vous. N'hésitez pas à venir dans YouTube pour le mode, péter les plusieurs pour si vous voulez de la mode. Faut que je le mette, faut que je vous dise comment faire. Bon après il y a plein d'autres tutos, mais voilà pour ceux qui me suivent ça. Bref, vous m'avez compris. C'était Exa, bye bye tout le monde.